tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Darko et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Moi c'est Julien. Vous m'avez beaucoup demandé. J'ai reçu 50 000 tweets. Merci à toi. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo. Bah ça me fait plaisir. Je viens souvent chez toi, mais pas souvent pour faire des vidéos. Pour une fois. Avec ton pull là. Qu'est-ce que c'est mon pull? Il est grave mon pull. Ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre un pull qui ressemble à peu près à ça. Ok. Ok, c'est bien. Aujourd'hui, on va jouer à un jeu qui s'appelle le Tu préfères. Je pense que vous connaissez un peu. Moi, j'ai vu la vidéo de Vodka. Est-ce que tu préfères vivre un an sous l'eau, tout seul, ou un an tout seul et dans l'espace? En gros, tu préfères un McFlurry ou un McFlurry? Ouais, parce que je crois que dans tous les cas, tu préfères un McFlurry. Faire face à une attaque de zombies ou faire face à une attaque d'extraterrestres? 1, 2, 3. Extraterrestres. Non, les extraterrestres, j'ai trop de questions à leur poser. Ils viennent pour attaquer, pas pour répondre à tes questions. C'est une attaque extraterrestre. Allez, tranquille, moi je sais, moi j'aime bien désamorcer. Et ouais, tout le monde ils ont des super pouvoirs, tu sais pas d'où ils viennent. Moi je pense que les gens ont plus répondu du zombie. BAM! Extraterrestre, 55%. Ça nous passionne, l'au-delà. Ok, on verra quand tu seras... Avoir un bras de plus dans le dos ou avoir une jambe en mousse? Mais attends, qu'est-ce que tu peux faire avec une jambe en mousse? Mais au pire, tu la plies dans la voiture, c'est plus pratique. Tu peux prendre un Uber à 3-4 derrière. Mais t'inquiète, c'est un pool, ouais, je vais en rentrer plusieurs. Tu la plies. Être toujours là où on ne t'attend pas ou n'être jamais là où on t'attend? Ah, moi je sais. Ah, attends, mais c'est pareil. Je te jure que j'arrive pas à comprendre la question. Bah, être toujours là quand on t'y attend pas, c'est-à-dire. Moi je dis être toujours là où on t'attend pas, tu Moi vois. Aussi. On s'attend pas à ce que Darko sorte une vidéo et bim. Une vidéo. Et maintenant c'est tous les dimanches à 18h. Et là dans ce cas là c'est plutôt jamais là où et on t'attend parce que toujours à 18h30 on attend la vidéo encore. Avoir l'air bête sans l'être réellement ou être bête sans que ça se devine. Je te jure que j'ai l'impression. La première en gros c'est moi j'ai... Combien de fois on a croisé des gens qui nous disent « Ouais, vous avez fait de la télé, vous êtes bête. » On le vit au quotidien et on sait qu'au fond, on n'est pas bête. Enfin, j'espère. Être toujours là où on ne t'attend pas, ou n'être jamais là où on t'attend. C'est pareil. Je te jure que j'arrive pas à comprendre la question. Être sur une île déserte avec 4 personnes que tu détestes, ou être seul sur une île. Je préfère être avec 4 personnes que je déteste. Ah, moi aussi. Juste pour pouvoir les bouffer. Ouais, c'est ça. Tu préfères mourir de faim ou manger ta mère? Non, je vais pas manger ma mère, c'est hardcore. Mais t'es fou toi ou quoi? Je sais pas, hein, sur une île. Avoir le hockey à vie. Ah oui, ouais. J'ai bien fait. Mais je l'avais dit, il m'a vraiment eu. Ou avoir des gaz en permanence. Tu peux nous montrer. Il a vraiment fait, je t'en jure. Ouais, c'est parce que je mange beaucoup d'haricots verts, ok? C'est bon pour la santé. Ok, il a pété sur commande. Le truc, c'est que toi, tu sais déjà ce que ça fait de vivre avec des gaz en tant qu'affaire. Du coup, est-ce que tu préférais avoir une vie ou pas? Bah franchement, je pense que je vais rester comme je suis. Ok. Tu préfères faire la vaisselle avec ta langue ou souffler sur le linge pour le faire sécher? Normalement t'attends 2-3 jours toi. Tu dois en plus sécher avec ta langue. Je vais sortir quoi. Je vous ai rien dire du tout, c'est ma vidéo. On avait des pizzas comme ça et je lui dis frérot t'as pas une poubelle? Il me dit écoute, ici on est dans l'appartement des gens, on n'a pas le time, on est des entrepreneurs. Il a pris la boîte de pizza et l'a jeté dans la cuisine, comme ça. Être en tong à une soirée jet set. Oh la honte. Ou être en smoking à une soirée camping. Oh la honte aussi quoi. Bastos il serait déjà en tong en soirée jet set. Bastos il dirait à tout le monde, c'est une nouvelle style, ça vient de Los Angeles. Exactement. Vraiment brand new, tout le monde va faire ça dans quelques années et tu verras ça passe. Exactement. Jamais dans la tendance, toujours dans la bonne direction. Après c'est des tongs quand même. Ouais. C'est des... Lire dans les pensées des gens pendant 24 heures ou être invisible pendant 24 heures. Moi je dirais lire dans les pensées des gens. Pareil. C'est trop bien, tu vas voir une meuf et tu lui dis sinon tu m'aimes bien. Et là tu la vois et tu fais ouais franchement je t'aime bien et au fond elle dit connard lâche-moi. Bon lire dans les pensées. Ouais. 51% seulement. Toi t'aurais choisi ça aussi? Invisible. Pourquoi? Ouais, pourquoi? T'as trop peur d'être déçu. Ah mais c'est beau ce que tu dis. Je pense que toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Pas peur de décevoir, de ne pas être déçu. Elle est nulle cette question. Elle est vraiment nulle. Elle m'a fait bader, j'ai envie de pleurer. Ah ouais. Viens, on prend invisible. Allez, invisible. Bon, maintenant on fait quoi en fait? Je sais pas, c'est un peu l'ennui hein, ce truc. J'avoue, c'est chiant en fait. T'as répété. Mais comment tu peux savoir que c'est moi, je suis invisible? Mais quoi, t'es mal mise, non? Vas-y, remets vite. Bon, vas-y, viens, reviens en fait. Allez, ouais, bonne idée. Tu fais quoi là? Rien, je suis là. What? Je croyais que j'étais invisible, frérot, c'est bon. Ne plus jamais te couper les cheveux ou ne plus jamais changer de chaussettes. Excuse-moi de revenir sur le mot chaussette que je viens d'entendre. Parce que je me souviens plus vraiment de quoi ressemble une chaussette aujourd'hui en 2018. Est-ce que Darko tu voudrais bien juste un tout petit peu lever ton pied? Mais c'est la mode, c'est la mode maintenant. Mais c'est la mode en Afghanistan. Pâte à la carbonara ou les pâtes à la bolognaise? Bolognaise. La bolognaise, des parmigiana, c'est la base. Mais n'importe quoi, la bolognaise c'est le meilleur. C'est la base. Dites-nous, vous préférez carbonara ou bolognaise? Team Bolo. Team Carbo. Ta copine, ton copain
ou 1 million d'euros. Le truc, c'est que pour moi, l'amour, ça n'a pas de prix. C'est sur une personne que t'aimes. Franchement, c'est, non, même moi, c'est plus qu'un million d'euros, quoi. C'est vraiment. Ouais. Non, on garde nos copines, on prend pas un million d'euros. Les gars, ouais. Vous avez pas de copines? Ah. Bon. Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Ça m'a fait plaisir d'être ici, c'était cool. C'était bien, t'as bien aimé. Ouais. Ben moi aussi, ça m'a fait plaisir de t'avoir encore dans une vidéo. Ça faisait très longtemps. J'espère que vous avez aimé, que vous avez participé surtout. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires tous vos choix. Et nous, on va tout lire, comme d'habitude. On met des petits cœurs. Je vous aime très fort. Merci d'avoir été avec nous. Grave. Mettez plein de pouces bleus pour les P de jus. Non, bon, on revient là-dessus. Ah ouais, j'étais bien, j'étais en train de me redorer une image. N'oubliez pas, c'est très très, très, très grave. Yeah. Ciao, les sœurs. Ciao. N'hésitez pas à suivre Julien sur ses réseaux. Et au fait, j'essaye de le mettre à YouTube. Vous voulez pas qu'il ouvre une chaîne? Ça pourrait être cool, non? Allez, dites-moi en commentaire. Et abonnez-vous. Yeah.